Bonjour, je suis votre nouveau professeur, Monsieur Néo. Voilà. Bien, nous allons commencer à travailler les multiplications. Combien font 2 fois 3 ? Mademoiselle Sophie ? 6, Monsieur Néo. Très bien. 5 fois 5 ? Mademoiselle Sophie ? 25, Monsieur Néo. C'est très bien. Et maintenant, un petit peu plus difficile. 1 fois 1. Ah bah, Mademoiselle Sophie, encore une fois. Hein. Ça fait 1. Ouais, bien joué, très bien. 2 x 8. Ah, bon bah, bon allez, Mademoiselle Sophie. 72 72 oui. Très bien, 20 sur 20. C'est mérité. Je vais tout de suite noter mon 20 sur 20 dans mon carnet. Voilà, 20 sur 20, comme d'habitude, en multiplication. Voilà. Bien, maintenant, prenez la page 75 du livre et vous allez apprendre la leçon. Je vous interroge dessus dans 30 minutes. J'ai trouvé. Voilà. Monsieur Néo ? Oui ? Monsieur Néo, il y a Swan, il mange en classe ! Il mange son tube de colle élastique jaune et même il pousse la colle et il mange ! Monsieur Swan, c'est strictement interdit de manger dans l'établissement. Ça va avoir une grosse punition, attention ! Non, c'est pas une nourriture, c'est des colles. Bah. Et personne ne mange d'alcool. Mais. Ah oui ? Mais. Personne n'a pas mangé ? Mais je vous assure, Monsieur Néo, c'est... je l'ai vu, il mangeait la colle, je l'ai vu ! Il en a mangé plein, il a croqué dedans, je l'ai vu. Bah pourquoi il n'y a attention, pas de crainte dedans. Attention mademoiselle Sophie, si ça se reproduit, ça va très mal se passer. Bien, à présent nous allons reprendre la leçon. Comment ça, il mange une crêpe en classe? Je vais voir ça tout de suite. Alors, Swan, on mange une crêpe en classe? Mais c'est pas une vraie crêpe, regarde! Pourquoi ça? Oui, ça a vaguement une ressemblance de crêpe, on mais. Regardez, moi ma trousse, monsieur Léo. Oh. Regardez, vous voyez bien que c'est une trousse. Bah oui, hein. Mademoiselle Sophie, vous racontez vraiment n'importe quoi, hein. Mais je vous assure, je l'ai vu manger la crêpe. Ouais. Je l'ai vu manger la crêpe. La prochaine fois, c'est 2 heures de colle. Bon, silence maintenant. Révisez, parce que vous avez une éval juste après. Monsieur ? Monsieur Néo ? Il y a Swan qui mange. Et là, il mange un bonbon, et même je connais ces bonbons, c'est Ice Tea Pêche le parfum. Je suis sûre que vous pouvez venir, il est là, regardez, il mange, regardez, il a la bouche pleine. Attention, hein. Si, je vous assure. Alors, c'est quoi cette histoire de bonbon? Oh, mais monsieur Néo, j'ai jamais mangé de bonbon. Bien sûr. Et c'est quoi ça? Oh, c'est... Mais, ce sont des cils. Donnez-moi ça. Ce sont des cils. Attention. Monsieur Swan, arrêtez tout de suite. Oh, monsieur Néo. Vous allez avoir 2 heures de colle si vous continuez. Et monsieur Néo... Alors, qu'est-ce que c'est ces fameux bonbons? Regardez ça tout de suite. Quoi? Mais... Ah mais... C'est pas un bonbon, mais... Monsieur Néo, Madame Sophie confond sûrement avec Monsieur Igneur. 2 heures de colle. Oh non. Oh non. Pas 2 heures de colle. Franchement, c'est décevant, hein. Vous étiez une super élève. Il ne reste plus que 5 minutes pour réviser. Après, il y aura l'évaluation. S'il vous plaît, Monsieur Néo. Quoi encore? C'est quelle page? 130. Merci. De toute façon, je t'ai vu. J'arriverai bien à te coincer, va. T'inquiète pas. Je prendrai ma revanche.
si, je suis sûre de moi, il mange des Oreos. C'est les gâteaux, ils sont noirs avec dedans de la crème blanche. Et regarde, mais là il mange, c'est sûr, monsieur, il mange. Venez vite, il mange. Faites-moi voir cet Oreo. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, vous avez vu? Mais monsieur, c'est pas un Oreo. C'est simplement une caramel note. Caramel note. C'est bel et bien caramel note. C'était pas du tout ça. C'était pas le même. Il était plus petit, il était noir. Et bien sûr. Et il en mangeait. Et si, je l'ai vu. Si. Ah ouais, si. Sophie. 4 heures de vol. Je double votre heure. Moi qui n'ai jamais eu d'heure de colle. Interrogation. Fermez les livres. Monsieur Swan. Vous allez conjuguer le verbe écouter à la deuxième personne du pluriel au plus que parfait. Bon, bah, allez-y, mademoiselle Sophie. Hein. Oh non. Si. Oh non, pas moi. Non. Bah, vous faites la maligne, donc allez. Que vous eussiez écoutasse. Que vous non. Écoutassiez. Mais concentrez-vous, que... enfant. Vous. Ça... Vous a écouté? Vous... Non, franchement, vous saviez écouter, c'est pas possible. Bon, à présent, le verbe attendre. À la première personne du singulier, au subjonctif. Oh. Bon, monsieur Swan. Je sais pas. Franchement, une plaisanterie. Vous avez pas appris votre leçon? Ça va très mal se passer. Déjà, 0 pour mademoiselle Sophie. Quoi? Et 0 pour monsieur Swan. Voilà, bravo. Allez, vous avez intérêt à la réviser. Je vous en prie, je vous refais une interrogation dans 2 minutes. Dépêchez-vous. Monsieur, il y a Swan qui mange une sucette, il a un bâton dans la bouche. Une sucette, hein? Ouais, c'est une sucette, c'est sûr, il y a un truc qui dépasse là. C'est sûr, il mange une sucette. Là, je suis sûre. Regardez, en plus, il a le papier. C'est une sucette, monsieur, c'est une choupa choups. Elle a la fraise et la crème. Je vous montre encore une fois. Non. Vous allez laver toute la classe. Regardez, monsieur, regardez, c'est bien une sucette. Regardez, une vraie sucette à la fraise. Voilà, ça y est. Ça y est, vous allez pouvoir constater qu'il mange en classe. Depuis le début, je le dis, il mange en classe, vous ne m'écoutez pas. Regardez. Mais attendez, on dirait pas que c'est une sucette. C'est pas la même matière. Monsieur Swan, qu'est-ce que c'est? Une gomme. Une gomme? Monsieur Léo, regarde. Bah, mademoiselle Sophie. Regardez bien, c'est une gomme. Ah oui? Bah, mademoiselle Sophie. Mais je vous assure, il l'avait dans la bouche. On peut pas manger une gomme quand même, c'est bizarre. À la sonnerie, vous me nettoyerez toute la classe. Compris? Oh non, mais en plus je suis attendue pour mon cours de danse. Oui, et alors? C'est une punition. Youpi, la fin des cours, la journée est terminée. Enfin, pas pour tout le monde. Il y en a qui vont rester en caisse pour nettoyer. Mademoiselle Sophie, vous mangez 10 heures de vol. Quoi? Monsieur Swan, c'est inadmissible. C'est quoi? Ouais. Sans doute. Mais c'est pas grave.